Des coffrets en idée cadeau, que ce soit pour un anniversaire, quand on est invité chez des amis, c'est vraiment super. Quand on sait vraiment pas quoi offrir, c'est vraiment des super idées cadeaux. Là, il y a pareil, délice bio, c'est de l'huile d'olive, des vinaigrettes. Par contre, là, ils n'ont pas encore mis les prix. Là, on n'a pas encore les prix. Ça, c'est vraiment des cadeaux quand on est invité chez des personnes, quand on ne sait vraiment pas quoi offrir. C'est vraiment sympa. Et on n'y pense pas forcément, mais là, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Vous voyez là, les panoplies de miel. Mais c'est dommage, ils n'ont pas encore mis les tarifs sur certains produits. Pâte à tartiner. Ça, c'est pour faire vraiment les chocolats chauds. Ça, c'est génial. De gâteaux. Donc là, il y a différentes recettes avec les ingrédients à l'intérieur. Pareil, c'est vraiment des idées cadeaux, pas mal. Il y a pas mal de choix. Moi, j'aime beaucoup hein, parce qu'on a vraiment... Donc là, infusé vin chaud. Thé de Noël. Franchement, il faut vraiment en profiter avant... Avant le mois de décembre. Au mois de décembre, on ne trouve plus ces petites choses. Là, en novembre, il y a encore pas mal de choix. Dès que mi-novembre, décembre, on a du mal à trouver déjà des petits prix. Vous voyez ? Là, des différentes plantes à infuser. Là, on a des infusions en gelée. Au gingembre, usu, on a grenade coco. Là, il y a encore pas mal de réassorts. Donc là, nous sommes au comptoir d'été. Et là, il y a un large choix en tisane, en thé. Franchement, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Moi, j'ai un coup de cœur pour celui-ci. Celui-ci, je le bois froid avec des glaçons. Il est super bon. Moi, mes enfants aiment vraiment celui-ci. Elles, en fait, ils mettent du lait avec. Apparemment, c'est super bon. Je ne l'ai pas encore goûté avec le lait. Mais il paraît que c'est délicieux. Après, ceux-là, je les connais. Fleurs d'oranger. Ils sont pratiquement tous à... En fait, c'est à partir de 9,95 €. Et les plus chers, ils sont à 12,95 € en thé. Un large choix. Après, on peut avoir vraiment les coffrets qu'on peut également offrir. Celui-là, il est à 34 €. Ça, c'est des super idées cadeaux quand on est invité chez des gens qu'on connaît pas très bien. Des fois, on sait pas en fait quoi acheter. Et ça fait toujours plaisir. Pour découvrir les différents thés que Nature et Découverte propose au prix de 19,95 €. Franchement, ça vaut super le coup. Et c'est des super idées cadeaux hein, à offrir. Et même pour nous, hein, se faire plaisir avec notre famille. Sans attendre Noël d'ailleurs. Là, pardon. En nouveauté, là, il y a des pauses gourmandes, il y a du miel. C'est ce jeu qui est super pour les enfants, pour vraiment, au prix de 29,95 €, pour leur redonner confiance en soi, découvrir leurs émotions. Ça, c'est génial.
voyez, c'est présenté comme ceci. Des cartes. Ça, c'est vraiment... Je vous laisse découvrir par vous-même. Il y a d'ailleurs même les couleurs des émotions. Ça, c'est vraiment génial hein, pour les enfants. Il faut vraiment en fait, leur parler à nos enfants parce que faut prendre le temps parce qu'on ne prend pas tout le temps le temps avec le travail, la maison, le ménage. C'est assez compliqué. Et il y a un large choix en jeu. Franchement, moi, j'aime beaucoup... J'aime beaucoup pour les enfants, là il y a vraiment de quoi faire. On peut vraiment leur faire plaisir et même nous, hein, même nous se faire plaisir en même temps. Parce qu'en leur offrant des choses, et bien quelque part on se fait aussi plaisir. Prix de 25 euros. Ça moi j'aime beaucoup les utiliser quand on fait des repas entre... le samedi quand il y a mes soeurs, mes beaux-frères, mes enfants. J'aime beaucoup faire des petits casse-têtes, c'est sympa. Et ça leur donne vraiment envie aux enfants aussi. Je suis tombée sur un amplificateur de son. Ça, c'est génial pour les petits explorateurs. C'est au prix de 27 euros. Il y a un casque et l'amplificateur. C'est vraiment pour écouter tous les sons dans la nature. C'est génial. Pour jouer aux espions ou écouter les sons de la nature. Ça, c'est top. C'est vraiment top. Après, il y a également ce jeu Pix. C'est pour la concentration de l'enfant. Et même de l'adulte, hein, parce que même en tant qu'adulte, on peut... Celui-là, il est un peu plus cher, mais je trouve que c'est génial. Il y a 44 pièces. Ça, c'est super pour les enfants et adultes, comme je disais. Il y a vraiment un large choix. Nature et découverte, c'est génial pour les jeux en bois.